Smart Game, une collection de jeux dit cérébral, mais pas vraiment, parce que ça marche aussi pour les enfants, et chacun sait que les enfants n'ont pas de cerveau, en tout cas pas avant d'atteindre l'âge de 32 ans. Parmi les trois nouveautés que nous propose Smart Game, il y a Bahut Malin. Alors dans Bahut Malin, c'est extrêmement simple et évident, ça montre bien que c'est pour les enfants, il y a trois petits camions. Des petits camions avec des roues et un conteneur transparent pour voir ce que tu mets à l'intérieur. Moi j'ai toujours rêvé d'être chauffeur routier, sans déconner, hein. Quand j'étais petit, je rêvais de vivre dans mon camion avec personne pour m'emmerder, tu vois, j'étais comme ça. Et l'idée, c'est que tu as un défi qui représente un rangement très efficace, rien ne doit dépasser des pièces à l'intérieur des bahuts, et toi, bien sûr, avec ton intelligence pure que tu as, tu dois essayer de ranger ça convenablement sans que ça dépasse. C'est Bahut Malin. Les pingouins patineurs. Ils patinent le pingouin. C'est un jeu solitaire, encore un casse-tête de chez Smart Game. Moi, j'ai jamais fait de patin de ma vie. Où l'idée, le concept va être de résoudre des défis, comme toujours dans cette catégorie de jeu-là, mais là, il va y avoir des pingouins à placer exactement dans les zones correspondantes aux défis, tout en faisant du puzzle à la genre Tetris, que c'est trop difficile pour mon cerveau à moi. J'y arrive pas. Mais c'est pas pour ça que je suis bête, hein. C'est pas la peine. Les murailles de Troie. Dans les murailles de Troie, vous avez des soldats posés, des soldats bleus et des soldats rouges. Et pour éviter qu'ils se fritent la gueule et qu'ils se frappent dessus, ça fait le guerrier là. Il faut les séparer. Donc vous avez des murailles, vous avez des petites murailles comme ça, solides, hein. Le truc c'est que c'est solide. Et il faut se débrouiller pour les poser, pour séparer les rouges des bleus. Ils auraient pu faire ça avec une histoire d'œuf, séparer les blancs des jaunes, par exemple. Ou avec le sel et le poivre. Ou avec... Je trouve pas d'autres comparaisons. Avec les jeux Smart Games, ce qui est évident, c'est qu'au début, ça paraît difficile, si t'as pas l'esprit pour ça, ce qui est mon cas. Mais avec de l'entraînement, tu fais, tu refais, tu re-refais, tu montes en difficulté, et plus ça devient difficile, plus ton cerveau s'habitue, et plus tu as l'air intelligent. Si toi aussi tu veux avoir l'air intelligent, tu joues à Bahut Malin. Si toi aussi tu veux avoir l'air intelligent, tu joues à Les Pingouins Patineurs. Et si toi aussi tu veux avoir l'air intelligent, tu joues à la Muraille de Troie. Moi, c'est marrant, quand je pense à pingouin patineur, je pense à roulage de pelle. Mais c'est parce que j'ai un esprit pervers. Tu penses à quoi, toi, Nod, quand on dit patineur? Tu penses à patin à glace, toi, c'est ça, hein? Moi, je dois avoir un problème, je pense. Patineur, roulage de pelle. En même temps, c'est pour les enfants, donc il n'est pas question de roulage de pelle.